salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour des vidéos sur ma chaîne. Alors ça va me permettre un petit peu de vous expliquer où on en est, ce qu'il en est réellement. Alors j'espère que vous allez m'entendre comme il faut, parce que je vais pas pouvoir parler, on va dire, aussi fort que d'habitude, mais logiquement ça devrait quand même aller, vous devriez pouvoir m'entendre suffisamment bien. Alors pour ce qui est d'éventuels, on va dire, planning, je peux pas en garantir, tout simplement parce que c'est beaucoup moins facile. Pour ceux qui suivent réellement toutes mes vidéos savent que j'ai déménagé, on a emménagé chez le papa de ma compagne, donc je peux pas forcément faire ce que je veux, comme je veux, quand je le voudrais. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Donc en termes de planning, je vais essayer au maximum d'avoir, enfin c'est pas au minimum du moins, vous aurez une série PES comme avant, donc le lundi, le mercredi, le vendredi, et Dirt 4 le dimanche pour le moment. Si je peux, le lundi, le mercredi, le vendredi, vous aurez deux vidéos, mais pour le moment je pars sur une seule. Vous le savez, il y a la série avec Monaco et la série avec l'Argentine. Donc si je peux, je fais le matin Monaco, l'après-midi l'Argentine, et si je peux pas, ça sera une semaine sur deux. Et après vous aurez Dirt, la série sur Dirt le dimanche. Donc voilà, la semaine dernière vous avez eu la découverte en live de la bêta de PES 2018, de la bêta online. Donc j'espère que vous avez été nombreux à être présents. Moi, au moment où j'enregistre ça, je dis j'espère parce que j'ai pas encore fait, mais au moment où la vidéo paraîtra, vous l'aurez vu. Donc j'espère que vous serez nombreux à être là pour la découverte de cette bêta. Alors, honnêtement, surtout en live, voilà, je peux faire un peu de live maintenant, je vais en profiter parce que là où je suis à Brive, il y a la fibre, donc je vais essayer de profiter de la fibre et j'espère pouvoir dans mon prochain logement trouver la fibre aussi. Donc vous voyez, les conditions derrière moi sont pas, on va dire, optimales par rapport à ce que vous aviez l'habitude avant. Avant vous aviez un fond qui vous permettait de ne pas avoir de pertes sur le terrain. Là forcément je l'ai pas, donc vous allez avoir mon arrière-plan, donc je vais vraiment essayer entre guillemets de couper un peu. Ça sera forcément ma tête, enfin mon corps qui sera un peu coupé. Donc j'espère réussir à le faire bien comme il faut, de façon à ce que ce soit pas trop gênant. Bon changement de jeu là. Attention. C'est chaud là, hein. Aller chercher quelque chose. Très bien. Voilà, c'est bien joué ça. Super. Oh la bonne tête! Oh, c'est au-dessus! C'est dommage, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Donc, pour ce qui est de la lumière, vous voyez, j'ai la lumière dans le visage, je suis obligé de mettre de la lumière, sinon, si je coupe, vous allez voir, regardez, on me voit pas parce que je suis à contre-jour et j'ai pas de meilleur endroit pour mettre l'appareil photo qui filme, donc il va falloir faire avec pour le moment. Bon, pour l'instant, première occasion pour nous, je pense que c'est plutôt pas mal. Attention. Eh bien, allez. Allez, va. Thomas Lemar. Oh, dommage. C'était bien joué là encore. Une belle occasion. Et là, Lemar a pas mis. Enfin, j'ai pas pu mettre suffisamment de puissance pour peut-être inquiéter le gardien. Oh, dommage. Allez, attention, faut aller. Voilà, dommage. Il a fallu aller sur le côté plus vite. Allez, attention. Parfait. Oh, je me suis fait piquer le ballon au dernier moment, c'est bien joué. Là, le défenseur du Napoli qui a tendu le pied au bon moment. Ouh, ben là, par contre. Ça fait y être limite. Pourquoi il met pas la tête? Il n'y a pas pénalty là? Eh ben dis donc. Bon, il a pas le droit. Ouais, il a pas le droit de louper ça. Ah. Et il va bien au ballon.
Oh, je pensais qu'il y a faute du gardien, mais il y a faute de mon joueur. Allez, on regarde, on va voir Lemar. Ah, le ballon est bon. Et Falcao qui arrive pas à la cadrer. Peut-être pas frappé au bon endroit non plus. Allez, faut que je fasse gaffe. Ouh, bien joué. J'ai failli récupérer ce ballon, c'est dommage. Ouais, très bien. Allez, allez, allez. Bien joué ça. Mais pourquoi pas. Ouais, je vais dire pourquoi pas un bon centre. Allez, bonne frappe là. Bon, par contre, l'arbitre il doit revenir. Là, l'arbitre doit revenir parce que l'avantage profite pas, même si je frappe. Hein. Mais ça profite pas suffisamment. La faute était quand même vraiment grossière. Ouais, bien, bien, bien. Parfait. Voilà, impeccable. Là, magnifique. C'est bien joué. Oh putain, j'avais vu le décalage. Mais je l'ai mal joué. Très mal joué. Allez, bien joué ça. Glick là qui a bien pris le ballon. Parfait. Non. J'avais pas vu. Putain, c'est au moment où j'ai fait la passe. J'avais pas vu sur le radar le point bleu. Bon, attention, ça c'est bien joué par contre. Vas-y, Goulam là. Ouais, par contre, voilà. Voilà le problème encore une fois. Je sais que je le dis souvent, mais le problème de PES 17, c'est vraiment cette protection de balle qui est complètement inexistante. Je récupère bien. Enfin, le ballon est bon. C'est un bon contrôle, mais le joueur protège pas le ballon. Très bien. Parfait, attention. Non. Ouais, par contre, encore une fois. Superbe, superbe. Oh, ah, c'était un peu long. Un peu long, j'aurais dû la mettre plus courte, celle-là. Allez, allez. Parfait. Ouais, le contrôle est pas bon. Encore une fois, beaucoup trop long. Bon, 0-0. 0-0 contre le Napoli. Faut se remettre en jambe. Hein. Ça fait pour moi 15 jours que j'ai pas touché à la console. Donc il faut absolument que je me remette un petit peu le jeu en main. Mais pour l'instant, c'est plutôt correct. C'est pas fou, mais c'est correct. Hein. Le tout, c'est de pas perdre contre le Napoli. Allez, allez, allez. Non, très mal joué par contre cette passe-là. Allez. Yann Mbappé. Super ballon. Il laisse le corner, mais je pense qu'il peut siffler faute, c'est plus intéressant. Allez, je vais l'accélération. Ah, c'est bien tiré ça par contre. Dommage. Vraiment, vraiment dommage. Là, il y a vraiment moyen de faire de jolies choses. Il n'y a pas tout à fait tort là, Darren. Allez, encore, encore. Ah, dommage. Dommage, c'était bien joué ça. Allez, il faut récupérer le ballon là et essayer d'aller marquer. Bien joué. Parfait ça. Très bien. Non. Il a poussé le ballon beaucoup trop loin là. En plus, j'ai pas demandé. Ouah, dommage. Allez, vas-y, vas-y, dessus. Ah ouais, mais là, ça. Bon, par contre là, ça va, allez. Super ballon. Ouh, dommage. Ouh, le ballon piqué était bien vu là. Oh là 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 là, comme c'était bien joué ça encore. Oh, c'était magnifique. Un petit ballon piqué qui est pas arrivé, mais par contre après un joli jeu à 3.
Tac, petite remise. À la frappe instantanée. Il y a quand même un bon mètre à côté, mais ça méritait quand même largement. Et vas-y, ça va décaler là-haut. Et oui, oui, oui. Ah, bien vu. Allez, allez. Ça va. Oh putain, j'avais récupéré. Je pensais quand même qu'il allait la prendre là. Ça va, tranquille. Ah, c'est mes jeux. Allez, tranquille, voilà. Impeccable. Ouais, ouais, par contre, oui. Mais à l'arbitre, il va falloir qu'il fasse quelque chose là, parce que c'est pas possible. Je prends tampon sur tampon et il siffle rien, quoi. Oh, la belle frappe! Boulolololololo, Glick là qui a mis un missile. Oh, mais je vais une signée là. Oh la vache! Contrôle était pas évident hein, parce que la frappe était. Enfin, la passe était costaud. Ouais, pour l'instant, on domine quand même. Hein. Le Napoli a pas été dangereux. Donc il faudrait vraiment qu'on arrive à concrétiser cette domination par un but. Bon, par contre là, faudrait pas que moi j'en prenne un. C'est mal joué de ma part, ça. Ça va. Non, par contre, j'y demande de venir au ballon. Il vient pas, Falcao, là. C'est dommage. Hein. Très bien. Allez, là, faut que je joue un peu plus vite. Non, non, non. C'est pas normal. C'est pas normal d'aller perdre le ballon, là. Faut que je fasse mes changements parce que là, on n'est pas bon du tout là. Ouais, Falcao il est cramé. Ahmed Valère Germain. Mbappé il est cramé. On va faire ça. Allez, tant pis, j'ai pas le choix. Faut que je fasse rentrer Bernardo Silva. Oh, c'est bien joué ça par contre là. Il faut que je coupe. Allez, attention. Non, 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 non. Là, par contre, c'est pas normal. Encore une fois, je me retrouve avec mon joueur. Du moins, même si c'est un défenseur, il protège pas du tout son ballon. Ah, par contre, il y a faute. Je vais vers le but, mais il protège pas son ballon, quoi. Le mec, il laisse tranquille. J'ai pas eu le temps de faire le changement. Je vais pas avoir le temps de le faire, vous allez voir. Je vais m'en trouver cuit. Non, là pareil, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il puisse comme ça me prendre le ballon. Non, mais non, mais sans déconner, j'ai aucune solution. Hors jeu, j'ai aucune solution. Je me retrouve devant avec mes attaquants et j'ai personne qui vient me filer un coup de main. Allez, j'ai 6 minutes là pour aller mettre un but. Ouais, dommage. Oh, bien joué. Très bien joué ça. Attention, ils vont récupérer le ballon là. Allez. C'est pas hors jeu là ? Ouais, quand même. Allez, ouais, on va pas réussir à marquer, ça va être chaud. En même temps, c'est Naples, hein, on peut pas. Voilà, c'est l'équipe costaud de ma poule. Ça va être compliqué d'essayer. Par contre, voilà, on va essayer. Ouais, mais là, c'est pareil, il vient pas au ballon, quoi. Ouais, Glick, par contre, je te demande pas d'être devant, là, je te demande de reculer. Ouais, Calderon, il fait l'amour à toute mon équipe, là. Ça va être compliqué. Non, c'est pareil, mais j'appuie pas là. Aïe, 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 aïe.
Valère Germain, allez. J'ai dépassé la moitié de terrain. Je rentre dans les 30 mètres adverses, il siffle. Aïe, 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 quel sketch. Bon, bah écoutez, pour un retour, c'est un match au nul. C'est correct, il n'y a pas non plus... Il n'y a pas mort d'homme, on va aller regarder le classement, voir combien on est. Je pense qu'on est quand même relativement bien classé. Hein, ça m'étonnerait qu'on soit dans les, qu'on soit retombé, qu'on ait perdu notre première place, je pense pas. On va regarder ça tout de suite. Ils ont fait quoi à côté? Ah si, c'est le Real. Le Real a repris la tête. Bon, mais écoutez, je sais ce qu'il me reste à faire maintenant. Il faut que je gagne absolument les deux prochains matchs, notamment contre le Real, et ça va pas être évident. Bon, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si je peux, vous aurez une vidéo ce soir. Sinon, ça sera mercredi. Allez, portez-vous bien, à bientôt. Ciao tout le monde.